Ravagé par les flammes, le musée de la langue portugaise de Sao Paulo est entièrement détruit. La mégalopole vient de perdre un de ses joyaux. Cet incendie est une énorme tragédie pour notre ville. Le musée de la langue portugaise était très connu au Brésil et à l'étranger, autant que la ville de Sao Paulo. L'incendie s'est déclaré lundi au premier étage du musée, situé dans l'édifice d'une ancienne gare, en plein cœur de la ville. Le feu s'est ensuite rapidement propagé. Par chance, le bâtiment était inoccupé, car fermé ce jour-là. À cause des rafales de vent, les pompiers ont eu beaucoup de mal à venir à bout des flammes. Une pluie bienvenue a finalement facilité leur tâche. Grièvement brûlé pendant l'intervention, l'un d'eux est décédé des suites de ses blessures. Le gouverneur de l'État de Sao Paulo a salué le travail des pompiers. Le total dévouement dont ils ont fait preuve montre tout l'amour qu'ils portent au peuple de Sao Paulo et au Brésil tout entier, car le musée de la langue portugaise traduisait l'âme du peuple brésilien. Unique au monde, le musée n'abritait ni livres ni tableaux. Il proposait une découverte ludique et sensorielle du portugais du Brésil. Inauguré en 2006, il a coûté près de 8,5 millions d'euros. Le gouverneur a promis de le reconstruire.